En vue de promouvoir une économie digitale sûre, tout en protégeant les données des investisseurs et entreprises, l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, celle en accord avec l'autorité de protection des données à caractère personnel. L'organisme de veille chargé de participer à la réglementation du secteur. Le protocole de convention fut signé ce mercredi 10 juillet 2024 dans les locaux de l'APDP. L'API Mali est représenté par son directeur général Mamadou Ndiaye et l'APDP par son président professeur Mamadou Samasekou, c'était en présence des agents des deux structures. La présente convention va permettre de créer un environnement de confiance pour les investisseurs, conformant la vision de l'API Mali. Pour ce faire, la présente signature repose sur trois axes de coopération. Cette convention de partenariat, dont l'objet est de renforcer et de valoriser la collaboration entre nos deux structures, est une étape cruciale dans notre quête commune de modernisation et de sécurisation de notre environnement économique. La protection des données personnelles est aujourd'hui au cœur des préoccupations des citoyens et des investisseurs. En effet, dans un monde de plus en plus connecté, où les flux de données sont omniprésents, garantir la confidentialité et la sécurité des informations personnelles est non seulement une obligation légale, mais aussi un gage de confiance et de crédibilité pour toute institution. La présente convention repose sur plusieurs axes de coopération. Le premier axe est la sensibilisation et l'accompagnement des investisseurs dans leur mise en conformité. Axe 2, le partage d'expériences. Et l'axe 3, le renforcement des capacités des services techniques de l'API Mali. Cette collaboration renforcera la visibilité et la crédibilité des deux institutions auprès des acteurs économiques, des partenaires internationaux et du grand public, en démontrant leur engagement à protéger les données personnelles et à promouvoir un environnement d'investissement sécurisé et fiable dans notre pays. L'API étant un facilitateur des démarches et procédures administratives, son directeur général estime que cette collaboration sera profitable pour le Mali, les parties prenantes et pour les populations maliennes. L'API est un grand collecteur d'informations. Toutes les sociétés qui se créent passent par l'API Mali. Nous avons un guichet unique qui est le passage obligé en principe et qui va l'être de plus en plus. Donc nous avons une masse d'informations à la fois sur les entreprises et sur les individus, parce que beaucoup de nos entreprises sont des entreprises individuelles. Alors, donc, ce qui fait ressortir la nécessité de cette collaboration, qui a été rappelée tout à l'heure avec les trois objectifs qui ont été rappelés par le président, nous, ça va nous permettre de rester dans la conformité. Ça va aussi nous permettre de faire des partages d'expériences et aussi de renforcer nos capacités, et ça peut être mutuel. Je vais terminer par souhaiter simplement que cette collaboration soit le début d'une expérience qui va être profitable pour les trois P que je vais citer, qui est d'abord le pays, qui va être profitable aussi pour les parties prenantes que sont l'APDP et l'API Mali, et qui va être enfin profitable pour nos populations. On notera que la présente signature de convention marque une étape significative dans la coopération entre les deux structures reposant sur la protection des données à caractère personnel. En se donnant la main, l'API et l'APDP entendent protéger les données personnelles des individus, réglementer le traitement de ces données et en assurer le respect des droits des personnes en matière de protection des données.